appelle ça le gazelle. Les gazelles de Mayotte, de Pointe-Noire. Ça vient de Pointe-Noire. Le gazelle de nous. Le Mayotte. Mayotte. C'est le gazelle qu'on a acheté à Mayotte en quittant Pointe-Noire. Donc, en avant d'arriver vers Dolisie, c'est là où on a acheté la viande. Vers Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Bonjour à tout le monde. Bonjour, je me présente, je suis maman Francine. Je suis la maman de Karine Yamado. Avec plaisir, j'ai vraiment l'honneur de me présenter aujourd'hui devant vous. Et je voulais vous présenter quelque chose de très simple qu'on mange en Afrique partout. Donc j'ai ma gazelle que j'ai achetée vers Mayombe. Moi j'habite à Pointe-Noire, j'ai acheté vers Mayombe à Pointe-Noire. Et je l'ai déjà coupé, je l'ai nettoyé avec l'eau chaude. J'ai mis déjà le sel, c'est déjà bien prêt à préparer, mettre au feu. Mais avant de le mettre au feu, je vais le préparer à la moambe. Nous, on appelle ça à la moambe. Et ici à Kinshasa, on appelle moussaka. Donc, je vais mettre l'épinard. J'ai l'épinard ici que je vais nettoyer tout à l'heure. Je vais couper, je vais bouillir à côté avant de le mélanger avec la moambe. Et ici j'ai les ciboulettes, j'ai la tomate, j'ai l'ail, j'ai l'oignon, j'ai les piments verts et les piments rouges. Tu peux mettre le rouge comme tu peux mettre le vert. Donc le mélange que je vais faire, je vais épiler les noix de moambe, je vais les épiler et je vais faire ma sauce. Après l'épilage, je vais les filtrer, je vais mettre dans la marmite. Je vais mettre le sel et ça va bouillir jusqu'au fond. Je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais le faire. Je vais mettre l'eau au feu. Après un moment, je vais mettre le ciboulette, je vais mettre la tomate, je vais mettre l'épinard. Et je vais le mélanger dans le gazelle. Mais avant de le mettre dans le gazelle, je vais bouillir un peu le gazelle à côté. Parce qu'il ne faut pas que ça soit un peu dur. Ça va bouillir ensemble, au moins 20 à 30 minutes ensemble. Mais avant, je vais les bouillir d'abord à côté. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer la suite après. Merci beaucoup, bisous. Tiens. Ça là, c'est un mélange. Le mélange, je vais le faire tout à l'heure. J'attends d'abord la moambe, ça y est au feu. Dès que ça va être prêt, je vais vous montrer comment je fais le mélange. Tu peux le manger avec les foufou, tu peux le manger avec les manioc, tu peux le manger avec la banane bouillie. Donc, tu peux le manger avec le pain aussi, comme tu veux. Mais nous, chez nous, là où j'habite, à Pointe-Noire, il y a des patois qui mangent ça, qui aiment ça beaucoup. Il y a les Vili qui mangent ça avec les Mayakamakato. Il y a les Bembe qui aiment ça, qui aiment aussi la moambe, vraiment, qui mangent ça beaucoup. Donc, c'est un repas que j'ai voulu partager avec vous. Donc, à très bientôt, je vais montrer la suite des vidéos. Là maintenant, il y a notre les noix qui est déjà prêt. On a bouilli ça. Maintenant là, on va maintenant épiler ça. Donc tout à l'heure, j'épile ça. Après, on va voir le jus qu'on va préparer avec. Donc tout à l'heure. Que je bouillis à côté. Après, je vais le mélanger avec la moambe, c'est l'épinard que je suis en train de bouillir à côté. Je vais bouillir, je renverse l'eau. Je prends le légume pour mettre dans le
dans notre repas. Là, on a déjà notre jus de la moine, comme nous on appelle ça. Ça bouillit déjà, ça y est là, ça y est au feu. Je veux mettre maintenant les ingrédients. L'oignon. Je mets l'oignon, je mets maintenant la tomate. Donc je peux mettre tout ensemble, l'ail, les ciboulettes, je peux le mettre tout ensemble. Et donc j'ai mis l'ail, j'ai mis les ciboulettes, j'ai mis la tomate. Ça va bouillir. Maintenant, je vais mettre du sel. Et ça y est là. Ça va bouillir. Ça va bouillir au moins 30 à 35 minutes. Et ça, c'est notre viande qu'on a bouillie encore un peu aussi. C'est notre gazelle qu'on a bouillie. Et quand la moine ça sera prêt, on va maintenant mélanger. Donc je vais vous montrer comment on mélange cela avec le jus de la moine et l'épinard. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer la suite de notre repas. Maintenant, ça c'est notre jus qu'on avait fait le mois. Donc notre sauce, on les mélange maintenant dans la viande. Hein. On met déjà dans la viande. Ça va bouillir encore 20 à 25 minutes. Ensemble avec la viande, avec la moimbe. Ça va bouillir ensemble. On va laisser que ça bouille encore pendant 30 minutes. Après, à la fin, 5 minutes avant, qu'on descend la marmite, on va mettre l'épinard. Et on met les piments et les épinards. Donc tout à l'heure, on va voir la suite de notre repas. Là, on commence notre dernière étape de notre repas. Ça c'est l'épinard. Si tu veux, tu peux le couper, mais moi j'ai pas coupé. J'aime mettre que ça soit un peu gros. J'ai mis l'épinard. Après l'épinard, je vais mettre les gombos. Hein, c'est comme ça, nous on le prépare, on met toujours les gombos dedans. Ça c'est le gombo que j'ai épilé. Si tu veux, tu peux laisser aussi sans épiler. Donc regardez comment ça donne. Et quand tu mets l'épinard et le gombo, tu peux laisser au moins 5 minutes parce que j'avais déjà bouilli l'épinard à côté. Donc, ça y est là notre repas de gazelle à la moine. Donc, tu peux le manger comme je dis tout à l'heure avec les foufou. Tu peux le manger avec le manioc. Tu peux le manger avec la banane bouillie. Et c'est très bon, c'est très bon. C'est ça mon repas que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. Voilà, on va goûter, voir comment maman a préparé, si c'est bon, si c'est comment. On va nous dire ça tout à l'heure. Donc c'est ça notre repas. Donc ça y est là, c'est très bon. C'est très bon. J'ai déjà mis l'épinard, j'ai mis les gombos. Très, très bon, très bon. Regardez comment ça présente. Et merci, tout à l'heure on va goûter, on va savoir, on va nous dire, hein, les jurys comme on appelle, hein, savoir si ça c'est bien sorti ou c'est bien préparé.
Et merci, je vous souhaite bon appétit à toutes, hein, donc tout à l'heure. Ça fait vraiment longtemps dans l'île pour maman dans Kala. Bané belé mamboule bien. Et là, faut aller me blâmer ça puis. Ah, vous t'en allez quoi moi la bébé pardon. Moto goût. C'est ma mère qui a préparé. Non, Zika. En fait, ce maman ça. C'est fantastique. Je dis un grand merci. Je vous remercie. La carrière Mado TV. Le long la lié bilo ko maman o abotinga lambi. C'est ma mère biologique hein. Donc Francine Nyonga Kabongo, la femme de Watula. Autrement dit maman capable. Donc voilà pena maman nanga, maman abotinga. Mon la carrière Mado qui to connaît lengi mutabim sa mokiliye ouais. Donc on lié bilo ko lambi. Ça la bien ma kasi. Et ça la biso mina. Moi parce que maman j'ai quitté boulot maman l'ambi ya ba fi ba ka misapi parce que le connon maman nga ibo lamba hein ah ça le sel nga bien donc non les bien ma casse maman maman hein. On l'aime bien. Et bien, on a bon appétit quoi. Et bon appétit Yamato. Merci. Et merci à vous tous qui étiez là en train de me suivre comment je préparais mon repas. Et mon repas c'était basé sur le gazelle. Le gazelle je le préparais avec le doigt de la moimbe comme on l'appelle à Pointe Noire. Et je le préparais avec l'épinard. J'ai mis le gombo. J'ai mis le ciboulette, j'ai mis l'ail, j'ai mis la tomate. Et c'est ça. C'est très simple et c'est très bon. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le manger avec tout ce que vous voulez. Le manioc, ou la banane plantain, ou peut-être le foufou de manioc, ou le foufou de maïs, comme vous voulez. Et à très bientôt. Et je vous aime beaucoup. Je vous embrasse et que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous à tout le monde. Je vous aime autant. Bisous. On mange bien. Bisous. Mmh. Ok, merci maman. Et non, les soyez tangana. On les soyez tangana. Ah, ma bagsta, exacte. Maman, je n'ai pas de ça. Il y a un bout de temps. J'ai 8 ans. Elle est bien. Elle se joue à terre. Ils sont ratés. Elle est bien. Elle est bien. Elle est
Il y a des ailes. Il y a des foufous. Il y a des foufous. Il y a des foufous. Pour maman, tu as l'ami. Hein? Exaucé. Quand pour maman, tu as l'ami. Foufou. Ma facile foufou. Hein? Chalet à bout de chapeau, arrête-moi ça. Hé! Bonjour, hein? Bonjour. Vous comprenez? Faut monter et tout qui savent. Hé! Ça. Oh, y'a des. Foufou. Guango ma photo fois 3. Ça quand ma photo. Maman, longwa. Longwa. Nali anga fufu yomi suli zwa na fufu kaka badi vida bugula bwa nseka. Eh longwa kasi. Appelé. Te longwa koki. Eh koki longwa. Te longwa na bulu. Te na boyi osi si fufu ti longwa. Longwa te. Eh kindi. Longwa. Ta longwa. Ah longwa na longwa. Ko lesa tu blo apam. Esa wa mbote. Mba. Afan mbote. Eh. Do ale ne blo ni anso eh. Allez, foufou, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ils ont dit juste. On a artiste, on a dit que nous avons dit que Sylvain Louseka exaucé. Nous avons dit que nous avons dit que petit frère, nous avons formé. Merci à vous. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Bon appétit à vous.